الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères, chers sœurs, qu'Allah nous donne le mérite de nos actions durant ces 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Que devons-nous éviter en cette période où les adorations sont récompensées immensément par Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux par essence et par excellence? Nous devons nous garder, chers frères en la foi, chères sœurs en la foi, de commettre tout péché, que ce soit contre nous-mêmes ou contre les autres. Nous devons ainsi respecter toutes les limites établies par Allah subhanahu wa ta'ala et nous garder de les transgresser. Il nous faut donc respecter nos droits que nous avons sur nous-mêmes, les droits des autres et les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Il nous faut également éviter la paresse et la négligence dans l'accomplissement des actes d'adoration. Les vaines causeries qui ne nous apportent rien doivent être évitées parce que la parole peut nous être bénéfique comme elle peut nous être dangereuse. Le musulman doit savoir de quoi parler. Ne parlons pas de ce qui ne nous rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne parlons pas de ce qui ne nous concerne en rien. Évitons la calomnie, évitons la médisance, évitons le mensonge. Nous devons également nous éloigner des vaines promenades. Les promenades qui ne nous apportent rien. Il serait préférable de rester à la maison autant que possible si rien ne nous contraint à sortir. Cela nous permettra d'être à l'abri des péchés. Nos yeux seront protégés, nos oreilles également, nos pieds, nos mains et même nos langues. Rester à la maison nous donnera davantage de temps pour adorer notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il est donc préférable de ne sortir qu'en cas de nécessité. L'usage excessif du téléphone et de la télévision doit être proscrit. Chers frères, le téléphone nous vole énormément de notre temps et donc de notre vie. Les réseaux sociaux et tout ce qui s'y passe d'immoral, de malsain, nous éloigne du salut. Il en est de même de ce que diffuse la télévision. Ces deux éléments, ces deux êtres chronophages doivent faire l'objet de méfiance de notre part. Chers frères en la foi, chères sœurs en la foi, pour quiconque aspire à faire le sacrifice, il est préférable de ne se couper ni poil ni ongle. Je vous remercie. Qu'Allah nous bénisse, récompense nos œuvres, absorbe nos péchés, nous donne le paradis et nous préserve du feu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.